Depuis après 86, dans toute l'histoire politique pays d'Haïti, c'est pour première fois que peuple haïtien retrouve li dans une crise pluridimensionnelle aiguë comme ça. Côté crédibilité institution yo contesté, majorité responsable l'état yo pour ne pas dire tout avili sous place publique corrodé, yo nan mauvaise affaire, yo nan mauvais deal, yo a financé gang violence criminelle en dedans pays. Nous prenons un pile mauvais coup, nous traversons un pile passe glo. Mais je ne jodi an la, ça n'a vive, ça peut pas ici à vivre ces bagailles qui sont plus difficiles, qui sont plus compliquées. Et nous, ouais, nous trouvons nous dans une situation côté que solution n'est pas qu'à venir aussi rapide que Jean s'était concept avant. Nous prenons la valasse, li aboutit à deux coups d'État. Li aboutit à Ratpakaka, mouvement GNB. Nous prenons Préval qui aboutit avec plusieurs slogans, passe prendre ma passe chez chaud, grand coup cloax. Nous même prenons, soit administration Préval, en bas des séries de contrats malation qui joue jeudi en mettez pays en côté lié là. Avec transition, yo, nous tombons non pas qu'être réforme qui fait dans l'administration publique là. Côté gain décret qui te prend et dans l'année 2005, yo, jusqu'à présent, c'est au cap service et au cap utile l'administration publique. Là. Pour ça, dans transition, yo, gain en pile contre malachon qui fait. Dans transition, yo, gon paquet et l'argent qui gagote, c'est porte l'ouvri pour corruption. Je ne jodi en là, nous aboutis avec un pouvoir PHTK. Au pouvoir PHTK, côté que majorité acteurs dans structure ça, yo qui ton guamè dans bouche population, dans bouche peuple haïtien pour pays. Sanction prend pas bon côté international là. Majorité acteurs yo alliés qui sanctionné yo, c'est toujours même structure PHTK, côté que jodi an yo reproché yo corruption a fait dans l'état, comme moun ka financé gang, comme moun ki participé dans violence criminelle qui mettait pays an côté lié. Malgré toute situation ça, on dirait que peuple haïtien pour qu'on jamb tire le saut de catégorie acteur y a metté dans tête l'état des séries de moun y a marché avec yo des séries de moun yo prend comme leader yo. Et bien jodi an faut moi annoncer nous dans l'émission hein. Gen deux informations qui extrêmement capital. Premier bagay là, toujours dans dossier haïtien, c'est que gen une gros réunion qui fait avec différents ambassadeurs dans Nations Unies sous dossier haïtien. Ou pral konnen exactement dans qui objectif réunion ça a été fait et qui ça qui sorti là-dedans puisque dans moment n'a parlé à là gagné yon américaine d'origine haïtienne qui lui-même li son personnalité en grande personnalité politique aux États-Unis qui bay position dans dossier haïtien et qui comprend ça qu'a fait ATA là non seulement sanction que États-Unis, Canada, différents autres pays paré pour yo prendre contact politique en Haïti mais dans dossier gang nan qui ça qui fait qui ça qui doit faire rapide vite pour aider Haïti sorti côté lié là. Deuxième point qui est extrêmement important pour nous, c'est que Royaume-Uni, après Canada, États-Unis, eh bien, Royaume-Uni décide de rentrer tête baissée pour lui-même, lui venir avec lui sanctionner, pour lui sanctionner un paquet de personnalités politiques, économiques, qui ont une relation avec gang, avec bandits, avant l'année a fini. Tout dossier ça yo nous pral parler de yo nous pral traiter yo ensemble pour qu'on exactement qui ça cap passer en dedans pays. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour m'avec aujourd'hui hein, pour nous continuer travail ça travail d'éducation ça pour nous continuer clarifier des points d'ombre d'actualité politique là en dedans pays hein, pour rester connecté. Sous fait tomber sur channel là, sous tac 509 sous haïtien connecté ou dans émission mon éditorial avec Yannick, Jean ça toujours fait nous bay pays en priorité, nous bay pays en première place parce que faut nous déshabiller vagabond pour qu'on exactement qui est tué et qui a bu a fait société. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.
Bien, avant même rentrer dans l'information, il faut que moi profiter annoncer nous une fois encore que projet fin d'année, projet soubjou moi li là. Et déjà m'a profité remercier toutes amis qui décidaient yo même pour yo get en monter à bord projet a. Moi dis un grand merci parce que ça extrêmement important pour moi. L'homme lancer une initiative, lancer un projet pour toujours participer avec. Moi c'est pas seulement projet, c'est projet non parce que c'est ensemble nous toujours réaliser. Yo qui ça bagay la yani. Donc on est chaque fin d'année toujours un projet qui réalisé pour nous aider moun sa yo qui n'ont besoin moun sa yo qui n'ont situation qui difficile. Et bien pour fin année là sous plan sous jour moi pour 1er janvier n'a potel pour yon groupe moun. Moun sa yo c'est des séries de moun qui handicapé, moun qui a mobilité réduite, moun yo sous chaise roulante, moun yo sous béki, moun yo pas ka travail, moun yo nan besoin ou nan nécessité. Donc moi penser avec yo et ou même qui voulait aider année pour nous rive concrétiser projet a pour nous rive mettre un petit sourire sous lèvres moun yo fait que yo content avec le peu que nous kabayo et bien n'a fait li ensemble. Ou voulez supporter travail ka toujours écrire les nan numéro émission pour nous connait qui gens ça fait et parce que tout ça n'a fait dans la République, c'est ensemble pour nous faire. C'est main en pile chaye palou, c'est aider mapedo pour nous aider en l'autre. Donc map tant de contribution, map tant de support ou c'est ensemble pour nous réaliser projet agence ça toujours fait chaque année déjà. Un grand merci à tout le monde qui voulait participer et merci à toutes amis qui ont temps commencer participer. Sans perdre du temps, on nous rentre dans l'information pour jeudi. Faut moi dire nous dans l'histoire politique pays nous passer plusieurs périodes. Nous passer période de décadence, nous passer des périodes de renaissance, période de décadence c'est côté bagay yo pa bon même instabilité politique, problème économique dedans pays, l'état en faillite. Nous passer période ça. Nous passer période de renaissance côté que nous te non premier moment bagay yo pa bon. Et dans période de renaissance, on a fait effort pour nous retourner pays en janté, pour nous ramener stabilité politique, pour nous ramener sécurité. Haïti, qu'on est période ça déjà, nous sortons dans décadence, nous rentrons dans renaissance. Gen période de rupture avec les principes légaux. Gen période nous passer en Haïti, côté que gen des pouvoirs qui là. Yo violé tout principe constitutionnel yo. Yo violé ça la loi dit. Mais nous toujours mettons en tête nous c'est pour une bonne cause, c'est en tête qui doit joindre, c'est dialogue qui doit joindre. Peuple a fermé Jésus ça, yo quitté acteur, yo fait ça, yo doit faire dans moment, yo doit faire là. Nous passer des périodes d'ordre, nous passer des périodes de désordre. Mais journée aujourd'hui nous constater que effondrement qui gagne là, non ça qui gagne pour avec valeur yo. Là, nous arrivons dans le point de non-retour. Nous arrivons dans le point côté que l'autre des séries d'acteurs importants dans la vie nationale pays, l'autre des séries de noms qui importants dans la cause politique de la République, des séries d'acteurs qui toujours devant, des séries de monde qu'on parle, c'est oui, amen, ou qu'on dit, parce que parole, c'est. C'est la vérité, nous toujours qu'on prend yo. Parole moun sa yo, proposition moun sa yo, nous toujours qu'on prend yo, parce que c'est des moun, depuis les affaires politiques de dans pays, yon, ou pas presque qu'on t'a dit on a scandale, d'ailleurs c'est eux même qui toujours devant la scène. Ou comprenez? Joune jodi, l'on a regardé comment valeur yo effrité, l'on a regardé ces moun sa yo depuis 20-30 dernières années, joune jodi, la scène non yo qui impliqué dans des scandales, côté que yo participé dans assassinat, yo participé dans tout yon moun, yo participé dans trafic drogue, dans trafic zam, dans financer gang en dedans pays hein ou a poser des toutes questions dans qui moment Haïti dans qui moment haïtien renoncer avec valeur morale dans qui moment nous choisir accepter corrompu délinquant criminel dans cette institution yo qui pour représenter nous m'ra un exemple simple pour comprendre nous gagner dans liste moun que pays États-Unis sanctionné puisque c'est ça qui fait actualité de tous les jours m'ra rentrer dans dossier et Nations Unies tout à l'heure. Nous gagnons sénateur et Joseph Lambert que États-Unis sanctionné. Yo donc que sous base sanction, sous base résolution 2653, yo fait nous connaît sénateur là, li utiliser fonction pendant li en fonction, li participer dans assassiner yon moun. Et aux États-Unis, ça yo décidé prendre comme sanction contre lui même c'est couper visal, c'est geler bien, c'est geler avoir li, saisi bien etc. Mais tout le monde, je ne dis là, est-ce que sanction au monde
qui responsable de l'an mort l'autre moun, est-ce que sanction pi gros sanction t'es capable prendre contre lui-même, est-ce que c'est couper visal pi gros sanction t'es capable prendre contre moun ça, est-ce que c'est saisir compte en banque li, etc., bloquer compte en banque li? Non, c'est une des raisons le n'a gardé comment valeur morale yo pas exister à travers dirigeant nous, à travers autorité responsable l'état yo journée jodi an là. On pose des toutes questions. Qui côté pays en pralé, qui côté pays en calé avec moun sa yo qui nan tête institution yo qui pa jamais assumer responsabilité yo. Nous te attendons nou aske, c'est pas dossier droit. Nous ka comprendre tout nèg en dedans la république, nèg qui autorité yo utilise fonction yo pour vendre cocaïne, pour vendre drogue. Nèg la capable rentrer dans dossier trafic drogue. Mais parler de assassinat mes amis, son mort d'homme, son moun qui mouri. Oh oui. Ministre justice t'a commandé pour Jean-Victor Généus écrit États-Unis pour demander un ensemble de formation. Qui est ça Joseph Lambert t'a participé dans tout hier? Qui est ça yo t'a touillé pour Joseph Lambert pendant le sénateur de la République? Ça extrêmement important. Ça prouve une autre fois que nous pas bail la vie moun valeur. Nous pas bay la vie moun respect en Haïti. Que te autorité l'État yo, et même zami sa yo qui n'est international la journée jodi, qui a sanctionné sous base et violation droit moun, qui a sanctionné sous base que nèg sa yo y a troublé l'ordre public, mais à un certain moment de la durée, si nèg la participé dans touye moun, m'pa kwere kase fè kouri ça. M'pa kwè si nèg la participe nan touye moun, jounen jodi an seul sanction nou ka pran kont li c'est coupé visal. M'pa kwè si nèg la participe nan touye moun, seul sanction nou ka pran kont li c'est interdit le voyage, interdit rentrer sous sol américain. N'a parlé de mort d'homme, n'a parlé de moun qui perdu la vie, n'a parlé de moun que yo assassiné. Donc ça prouve que même autorité sa yo ki nan tête l'état, yo pas différent de nèg sa yo que États-Unis, Canada, que Nations Unies prévoient sanctionner dans jou kap gen pou vini la yo. Comprenez bien. Nèg yo a fait politique, mais c'est politique qui a fait couvrir ça. Même international, dans jou ne jodi a kap sanctionner nèg sa yo, yo moutro quelque part, yo gen veleite pour yo aide Haïti tout bon, non soi-disant rétabli l'ordre, la sécurité en dedans pays. Mais comment pralé aide Haïti pour aller dans pays alors que moun sa yo qui participe dans trouble la paix publique, c'est des petites sanctions légères que n'apprend et information sa yo qui ka aide la république, sanctionner criminels sa yo, sanctionner présumé assassin sa yo, yo pa yon donné à la disposition. Est-ce que c'est mauvais soi qui gagne par bon côté acteur par nous yo? Ou bien États-Unis qui décide journée jodi en sanctionnant catégorie moun en Haïti, le moun sa redou ces sanctions politiques, vu que preuve yo pas public, vu que information yo pas public, nous pas konnen sou qui base États-Unis, qui sa gagne comme donné, qui sa gagne comme information, qui méthode yo utilise pour yo sanctionner moun sa yo. Donc le acteur sa redou ces persécutions politiques, le acteur sa considère sanctions sa comme des sanctions politiques, yo nan tout droit yo. Parce que je dis, c'est sûr que la République t'a remis connaît qui moun sa l'embête et tout. Ou pas t'a remis connaît, moi m'a remis connaît. T'a remis connaît qui est honorable sénateur te participé dans tout. Et pour qui raison te tout. Pour famille moun sa, t'a saisi un cabinet d'avocat là pour attaquer sénateur pour jouer une justice. Gen bien longtemps, gen trop longtemps, impunité à taille bandade dans la République. Ça important et li plus qu'important. Est-ce que nous comprenons? Donc, sous base ça, n'a pas admettre que, journée jodi, là, on parle de valeur morale, qui est fruitée, qui fin disparaître, qui fin perdue en Haïti, c'est un fait. Journée jodi, on moun sa qui n'a tête institution l'État, son paquet vagabond habillé, criminel notoire, qui pas gen respect ni pour gouverner, yo, qui pas gen respect pour pièce moun, même pour principe légal, yo, pas gen respect. Donc là, n'a clair que, si nous voulons faire pays, nous devons commencer à débarrasser nous de classe mounzao, de catégorie mounzao, pour nous venir avec une nouvelle groupe, une nouvelle catégorie d'hommes et de femmes politiques de notre pays. D'ailleurs, ce n'est pas moun qui sont dans le ciel qui tombe là, non. Des séries de moun qui ont parcours en dedans la République, des séries de moun qui ont nom, qui pas dans tout ça, dans tout malpropreté.
Nous pas dans toute boîte fatrap cité dans des scandales de corruption de dans pays, mais c'est des moun qui avant tout qui gagne le sens du patriotisme, qui remet pays, qui gagne le sens du devoir, la kaili, qui prêt pour le fond mission de service public, parce que di ou c'est acteur politique ou c'est politicien ou voulez servir pays ou son job ou vin son service ou vin rendre pays, son job gratuit ou vin faire pour pays. Et l'autre bagaille encore, m'pral di ou, si nan pour exemple Ou gagner sénateur Ronny Célestin. Sénateur achète un CAI Canada qui presque évalué à 5 millions de dollars. L'idou, c'est mon épice. Pas de problème, mon épice. Est-ce que c'est machin épice? Non. Mais pour nous, il y a un bagage qui est important. En tant que sénateur de la République, gagner des institutions qui a bataille contre corruption en dedans pays. Ou gagner ULCC, ou gagner CREF. Ou sénateur de la République, ou font pareil déclaration comme ça. Et d'ailleurs, madame Mou fait partie de diplomatie haïtienne, non? Qui quantité l'argent madame Mou a touché? Tout ça était supposé des éléments de considération. Était supposé prendre en considération. Automatiquement, on font pareil déclaration. Était supposé guider à enquêter. ULCC a enquêté, UCREF a enquêté. Était supposé rapide, vite, guider relé dans greffe tribunal première instance pour y'en connaître. Est-ce que vous avez fait déclaration patrimoine? Comment vous êtes rentré dans le Parlement? À qui quantité l'argent vous êtes rentré dans le Parlement? Est-ce que vous êtes rentré, vous avez fait mon épisa? Est-ce que c'est pas dans le sénateur qui fait mon épisa? Parce que c'est ça qui n'a pas gagné en Haïti. C'est question de reddition de compte qui n'a pas gagné. Nous pouvons poser acteurs aux questions, nous pouvons poser autorités aux questions. Bon, bagay qui c'est? Nègle li dépense près de 5 millions de dollars américains, li blou son kakaran. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à un kakaran. C'est pas tout le monde en dedans pays qui a accès à 5 millions de dollars américains. C'est pas tout haïtien qui a accès pour acheter une villa en caille de luxe côté la cool qui prend n'importe 10 à 15 machines. Non, c'est pas tout haïtien. Et l'on garde, nous pays côté que moun pa gen accès, près de 3 millions moun pa gen accès pour manger par jour. Et ou t'en don élu qui achète un kay tout l'argent ça pour nou, kay lan pour li, son ti monnaie, et puis ça veut dire ça pas en yen nan quantité l'argent gen. Faut qu'on connaît côté nèg yo fait l'argent. Nous pas jamais questionner pour nous chercher réponse avec vrai problème yo. Et c'est une des raisons qui font ouais, nèg sa rejoune jodi an, c'est yo même qui a fait la loi en dedans pays an, impunité an c'est yo même, la justice c'est yo même, parce que moun sa yo qui représente symbole corruption, nous pas jamais ka attaquer yo. Si n'a parlé de attaquer système, nous voulons attaquer système, nous voulons financer système, nous voulons écraser système, mais moun sa yo qui représente une bonne partie dans système nan, nous pas attaquer yo, c'est convenant fait. On l'autre bagay qui clair. Le sanctionne nèg économique sa yo, nèg nan classe économique yo, classe affaire la, Bidjo, Dib, Abdallah. Mais, attendez, est-ce que vous entendez, gen moun, est-ce que vous entendez dans la radio yo d'où ces persécutions politiques? Le sanctionne nèg nan secteur et politique la, yo te sanctionne l'ambè, etc. Ou nèg sa yo, premier sa yo te fait, yo te marché dans tout média, dans micro la presse, yo jeune journaliste qui dit oui, c'est persécution politique, yo te jeune moun qui tape défendre, yo te jeune côté pour yo parler. Nèg sa yo même, comme, yo pas jamais vraiment et devant de la scène, yo pas jamais parler dans la radio, etc. Yo gen politicien qui a parlé pour yo. Voilà, je ne dis pas, même politicien qui peut parler pour eux, même politicien ça qu'on utilise, je ne dis pas, ils ont bas sanction. Donc, à tous les coups, ils parlent pour qu'ils défendent. Mais vous suivez bien, des séries de gros nègres, soi-disant journalistes seniors, et pop, patron média, etc., qui ont fait gros gorge dans toute radio, nègres, ça n'a pas attendu tout. Ou n'a pas attendu. Si c'est Haïti, même l'homme qu'on est en Haïti, nous pas jamais osé, par un juge, par un commissaire gouvernement qui t'a jamais osé sanctionner, sortir une décision de justice contre Nexayo. Mais si c'est en Haïti, bagay ça a été fait là, ou t'as bien entendu, c'est persécution, ou t'as bien entendu bon pour cimetière, ou t'as bien entendu bon pour papier timbré, yo t'as pas attaqué tout gens, yo t'as privé sur tout gens. Mais je dis là, ou vient comprendre que en Haïti, classe politique là, c'est une classe qui a fait tout lié. Ou vient comprendre que en Haïti, il y a un paquet de patrons médias, c'est nèg qui a fait tout. Et tout nèg ça, que le politique, que le secteur et médiatique là, c'est un paquet de nèg qui au service des conseils, des traîtres à la nation. C'est un paquet de nèg qui au service et nèg ça a donné les oligarques corrompus.
Yo au service d'un système et système ça ligue mettre même mettre système ça c'est nèg ça yo qui journée jodi an là a fait des millions sous le peuple haïtien sous misère nous nèg ça yo qui mettait zam nan men bandi yo qui mettait zam nan men jeunes ça dans quartier populaire là il a fait service yo donc par rapport avec situation ça ou vin trouver ou non pays côté que moun ou te ka compter sou yo même yo gen moun pa yo compter sou yo pour faire job ba yo. Donc haïtien Haïti piégé dans propre pays, nous piégé c'est même frère nous, c'est même soeur nous qui piégé nous journée jodi an là. Ça faut nous clair avec ça, faut nous conscient sou li. C'est pas nèg cheveux si ro pour clair là, non yo fait cap théoriser nous là. C'est nèg qui semblé avec nous. Lo gade izo, gade ti l'appli, lo gade acteur politique sa yo, yo semble avec nous. Nèg sa yo ka pran mauvaise décision. Nèg sa yo ki décide y ap kidnapo, yo pa ka kidnapo, yo pa ka lavo, faire retisos, yo tout yo exécute sous place. Se yo même qui semble avec nous, qui est-ce qui utilise yo? Kote yo jwenn zam, yo voyage, izo ti l'appli voyage, yo pa voyage. Donc, soit fait schéma, soit fait schéma type journée jodi an la, moun ki a détruit société, a moun ki a détruit pays, an, principalement tête yo, faut moi chercher qui est sur yé, faut moi chercher qui moun yo et côté yo yé, et on pral réaliser, c'est moun sa yo qui gagne propriété yo. C'est moun sa yo qui gen conteneur qui bénéficie de franchise yo, c'est moun sa yo qui a pran mi créé, qui a fait porter conteneur la caillou sans vérifier, c'est yo même qui met violence, c'est yo même qui a alimenté violence dans le pays. Et par rapport avec situation ça, communauté internationale, l'un de ces deux acteurs internationaux, yo même yo décidé coûte que coûte, faut que yo aide Haïti, faut que yo jwenn sorti de crise, etc. avec problème pays, faut que yo arrive mette stabilité en dedans la République. Eh bien, gagne représentant et Floride là dans Congrès qui c'est Sheila McCormick et lui-même l'était lui rencontré avec différents ambassadeurs qui dans Nations Unies côté au tab débat sur situation difficile, situation gang qui gagne en dedans pays, côté c'est gang qui prend la République qui gagne contrôle pays. Eh bien, yo décidé finalement fuck situation rétablie, fuck Haïti connaît un climat de paix, fuck Haïti connaît un climat de sérénité, côté tout petit peuple qui s'est occupé librement, côté tout le monde qui a vaqué activité, côté l'école qui a réouvri, question l'école tipa, fuck yo fini avec lui, fuck la paix qui a rétabli. Et qui ça, député Floride là, li mandé. Par rapport avec question gang, question et violence criminelle qui a fait en Haïti là, eh bien, Sheila li mande pour gagner une intervention rapide, une intervention militaire rapide en urgence qui fait en Haïti. Sou bien remarqué, le gouvernement a écrit États-Unis pour demander pour intervenir en Haïti, pour venir de la police rétablir sécurité dans le pays. Eh bien, député Floride là, il était premier monde qui était dehors pays, qui était international, qui était réagi. Qui te dit, moi-même pas d'accord contre intervention militaire en Haïti, pas d'accord pour blanc fouler sol là, etc. Parce que situation qui là difficile et par rapport avec instabilité politique qui est là, haïtien et pas non climat pour accepter que des étrangers, ça qui était mauvais séquelle, ça qui était bois mer dans bouche haïtien, etc. Eh bien, je ne dis en là, ils gon l'autre discours. Parce que li wè, li estime pas bon côté différents acteurs yo, pas bon côté différents responsables dans l'état yo, pas yon bonne volonté vraiment, pas bon travail qui fait depuis le Ariel te mandé pour États-Unis ou bien pour Nations Unies aider Haïti pour avoir une intervention militaire depuis le demande l'été adressé à jusqu'à jodi an là, pas bon décision qui prend, pas bon côté autorité yo qui ka rétabli sécurité en dedans la République. Est-ce que le fait menti? Est-ce que depuis l'heure, il a demandé intervention jusqu'à jeudi, qui ça, où est le gouvernement Ariel Henry prend comme décision qui permet que vous démantelez un groupe gang, qui permet que sécurité rétablie, qui permet rentrer sud pays en débloqué, qui permet rentrer nos pays en débloqué. Jeudi, là, la police a bataille avec bandit à gang dans la Fito. Expliquez-moi, où est pas bon côté
autorité concernée yo pas gen on velléité vraiment pour résoudre problème sécurité en dans pays yo. Malgré gen nos policiers qui motivé oui ha gen nos policiers qui motivé m'a regardé dimanche vidéo photo qui vient joindre moi dans Pétionville gros kidnapping policier au déjouer plusieurs bandits tombés, plusieurs bandits yo stoppé yo, yo blessé mortellement pour qui ça pense que la police te soumel policier ça te soumel et ça une des bagages nous doit toujours songer. Policier, ouais, bon policier a connu depuis le quitter la Cali, le travail en guerre. Depuis le prend la rue en guerre, li oblige sous deux pieds militaires, li oblige à veiller en haut, veiller en bas. Parce que lorsqu'on est au pays gangsterisé, ou qu'on est autorité à Baizam, secteur privé à Baizam, ou vin pas contre qui est pour faire confiance. Et même frère d'amour, en pile dans le gang tout, ou vin pas contre qui est pour faire confiance. Et par rapport avec situation, on doit toujours veiller. Donc si policier ça ou pas la veille dimanche qui se passe là, ça te karive se yo tombe, et puis bandi yo, yo allé avec poids, yo allé avec victime nan, et puis soit dans de là, et puis yo continue à faire zak yo, yo continue à prendre les affaires en dedans pays. Mais par rapport avec situation ça, Congrès sou maintenant, chez la chérifus Macomic, li mande pour gagner intervention qui fait pressé. Seul bagay c'est que li pa bay yon date pour intervention pour soldat pour déploiement comment c'est fait. Cependant, li estime que situation Haïti a vivre dans moment là, li plus qu'urgent. Ça t'a supposé qu'on marché pressé qui joigne par bon côté communauté internationale là, par bon côté différents pays ambassadeurs respectifs que li te chita parler avec yo pour yo même pour yo désigner soit youn nan yo désigner tête yo ou bien Nations Unies lui-même, li finalement à travers le secrétariat général li, pour yon prendre décision, pour yon voyer yon troupe en Haïti. Maintenant, nous connaissons déjà comment situation est, comment société civile là recevra idée ça. Nous connaissons quoi divergence d'opinion, divergence d'idées en Haïti, gen moun ki d'accord, gen moun ki pas d'accord, mais entre temps, gang continue à terroriser population, bandi continue à touiller petit peuple, bandi continue à faire viol collectif sous population, et pendant 10 décembre qui se passe là, qui était journée internationale droit de l'homme, eh bien, qui ça te gagne? Yo estime que 2 janvier à décembre, gagné près de 1400 moun qui tombé en babal bandi, ça c'est youn, gagné plus de 1000 moun qui kidnappé en Haïti, et ça pire de là, yo estime que groupe gang yo, yo gagné une stratégie, yo gagné une tactique que utiliser journée aujourd'hui pour yo dissuader, pour yo créer un terreur la caille population haïtienne. C'est qui ça lié? C'est viol collectif là. Yo violé ti moun, yo viole jeune femme, yo viole grand moun, yo viole ti grand moun. Yo viole garçon, yo viole femme. Par rapport avec situation ça, yo vin créer un climat de terreur. Tout moun peut. Tout moun peut. Moun peut prendre la rue, le gang yo pa prendre la rue, kounya yo rentre la caillou. Le yo pa prendre la rue, yo vin chercher dans business tout. Le yo pa prendre la rue, yo rentre dans l'église. Yo attaque l'église. Pas bon groupe, pas bon couche, pas bon secteur qui est pas de dans pays, sauf nèg sa ki a bay bandizam avec balle qui connaît c'est pas ton gang nan yo pa attaquer yo. Mais à part de ça, malheureux, c'est eux même qui victime chaque jour. Malheureux, je sais même qu'à victime chaque jour dans le pays. C'est nous-mêmes qui parlons à l'abri. C'est nous-mêmes journée aujourd'hui là par rapport avec les actes criminels, les actes violences qu'a fait dans la République. Principale victime, c'est nous-mêmes. Donc, monde qui suppose des préoccupations premières tout par rapport avec les actes ça, c'est nous-mêmes. C'est nous pour décider est-ce que la bon pour nous, est-ce que le pas bon pour nous. Au lieu c'est l'autre monde qui parle rien pour ouais avec question insécurité. De série de gros chabras dans la République, c'est eux-mêmes qui militent, monde qui dit oui, faut le vivre. Non, faut pas venir, etc. Alors que c'est notre victime, c'est nous-mêmes qui gagnons pas nous pour nous dire journée aujourd'hui, est-ce que nous voulons un groupe d'intervention militaire en support? Est-ce que nous pas voulons un groupe d'intervention militaire en support? Ça, c'est nous-mêmes qui pouvons connaître. Dans même l'idée, ça, eh bien, dans le jour qui était 7
et décembre 2022 passé à là, Royaume-Uni décidé lui-même pour la déposer devant le Parlement britannique là, pour le déposer et yon texte côté que yon pral rentrer résolution 2653 dans maman loi pays la caillou dans norme juridique la caillou. Et bien par rapport avec situation ça, yon prévoit dans date 28 décembre qu'a venir là pral gen rololoy dans ça qui gen pour avec sanctions qui pral commencer prononcer contre différents acteurs en dedans pays, acteurs politiques, acteurs économiques, moun nan société civile qui participaient dans question gang, qui financer gang, à bay gang moyen pour yo déstabiliser pays. Donc déjà faut moi dit nous si Canada la dedans comment Royaume-Uni té ka fait pas la dedans, c'est maman petit yo. Et puis aux décisions qui votent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, faut nous attendre nous que n'importe pays lié, n'importe pays qui a toujours prend qui a toujours sous base résolution prend des sanctions contre acteurs yo. OK, là si nous un pays voisin nous côté nèg yo fin voler l'argent pays al serré là à l'investir là, yo pas prend sanctions. C'est parce que rapport de bon voisinage pas gagné avec République Dominicaine, vrai. Rapport de pour voisinage pas rien avec République Dominicaine. Si République Dominicaine pays voisin nous pas premier monde qui aide nous combattre gang, combattre violence, pas premier monde qui sanctionne nèg sa yo qui a détruit pays, a détruit société, c'est parce que République Dominicaine au même titre que criminel corrompu ça yo, présumé assassin ça yo, présumé trafiquant de drogue ça yo, yo même tout yo participé dans déstabiliser Haïti. Parce que me penser sous nos problèmes, premier monde qui courit pour, premier monde qui doit courir, vient pas son petit blanc dans figure sont indisposés, c'est voisin là. C'est monde qui boit la caillou, sous bon Dieu fait prendre la caillou. Premier monde qui doit venir avec un petit bois qui bloque pour aider voyer de l'eau voyer terre, c'est voisin là. C'est pas ça lié, c'est pas ça le dadoyer, c'est ça le dadoyer. Mais l'on regarde, États-Unis jou côté lié. On regarde Canada jou côté lié. On regarde Royaume-Uni jou côté lié. On regarde différents pays côté yo et yo. C'est yo même qui décide de motiver, mobiliser là pour sanctionner acteur yo. Pendant que la pays voisin nous pas jamais lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Sinon que je ne jodi à Binader kap men une politique raciste contre haïtien. Qu'a fait déportation massive, qu'a fait déportation sans que le pas respecter principe droit moun yo, c'est violer droit moun, c'est violer intégrité physique moun, c'est battre moun, torturer haïtien, etc. Journée jodi on a comprendre relation de bon voisinage nous pas rien la République Dominicaine, vrai, et c'est moment pour nous questionner nous, est-ce que République Dominicaine c'est ennemi nous ou bien c'est ennemi nous, est-ce que tout nèg sa yo femme sa yo qui finit voler l'argent de dans pays qui a investi en République Dominicaine, est-ce que c'est pas complicité République Dominicaine acteur dominicain avec yo pour Haïti pas jam stable, pour Haïti pas jam gen tranquillité et sécurité là-dedans pour yo même investissement ça qui vient fait la caillou. Et avant m'aller faut me rappeler nous en toute dernière fois projet à Lila, projet sous Joumon Lila, ou même zami qui voulait décrire supporter pour fin d'année là et des séries de monde que nous considérons comme monde qui n'a besoin, comme monde qui n'a nécessité, comme monde qui t'a supposé bénéficier de l'initiative l'année pour yon boire sous plan. C'est organisation qui regroupe des personnes handicapées, des séries de monde qui a mobilité réduite, c'est yon même pour fin d'année là, nous carrément mais elle fait sourire. Pendant la pote ti soup jou mouan nan bol yo ti soup jou mouan la kayo. Donc ou même qui vle aider, qui vle supporter ka toujours relem, écrim nan numéro émission hein, pour nous ka fè suivi yo. Donc ou ka toujours écrit. Gen numéro kachab, gen zèl, ou même qui vle aider, qui vle supporter n'importe jan sa ye. Matan nou, men an pil chay palou, c'est ensemble pour projet a, pour li concrétiser. Avant m'aller, faut mwen dou l'état en faillite. Ou pas comme ça, oui, l'État en faillite, la République d'Haïti en faillite financière. Eh bien, avec Jérémy, l'économiste, on pourra joindre plus de détails sur le dossier-là. Merci tout le monde. Bonjour, bienvenue sur Magic 9. Ah, bonjour, Sénat, bonjour, et moi, et Zitren là, et puis Célestin. Donc, tout le monde qui a suivi sur Magic 9, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, son plaisir pour que moi j'ai une invitation, non?
matin pour nous parler économie, pour nous parler pays. Justement, pour nous parler économie, pour nous parler pays, nous allons laisser fond bilan, une rétrospective sur l'année économique 2022, hein, et dire, et le premier ministre a voué l'aide de cadrage pour budget 2022-2023. L'été dit, selon prévision, que Haïti a rentré dans la quatrième année de récession économique avec un taux de croissance qui a dû atteindre moins 0,4%. Ça veut dire un taux de croissance négatif. Non, on a parlé là après tout événement qui s'est passé dans le pays pendant trois derniers mois. Yo, et qui j'ai l'économie pays a porté li Jérémy? Très bien. Écoute, moi je crois que chaque monde qui vit en Haïti ou qui vit à l'étranger, qui a une information, qui a suivi, réalise que nous vivons dans une économie qui est crasée. Nous n'avons pas besoin d'utiliser le mot. L'économie est asphyxiée, li crasée, elle n'a pas marché, elle est dysfonctionnelle. Et chiffre sous le bail là, qui c'est une prévision de croissance économique. Et croissance économique, le dit que qui j'en production richesse évolue dans l'économie. Et ça, pour le ministre de bail là, le pire que ça en réalité par rapport à chiffre qui est plus récent qui est publié. Mais année à peu qu'on finit, certes, l'année à peu qu'on finit, 30 septembre passé déjà. Mais généralement, c'est vers janvier, on publie officiellement chiffre. Mais là, nous établis sur à peu près moins 1,2% de croissance. Dans mes fonds-ci, bac rapidement pour me rappeler tout auditeur qui a attendu, année ça, Jean-Sab Diltalé a fait quatrième année consécutive que l'économie pays a négatif. Donc en 2019, il était moins 1,7%. En 2020, il était moins 3,3%. En 2021, il était moins 1,8%. Et année ça, il prévoit moins 1,2%. Et m'a dit nous depuis n'a dit chiffre qui plus récent que y a gardé dans l'économie en t'a dit sur 40 dernières années même époque qui t'ai gain coup d'état 91 nous pas jamais vivre 3 années consécutives qu'on économie pas marcher comme ça. On n'a jamais vu ça depuis pratiquement 40 dernières années côté chiffre plus récent si m'pa veut remonter dans l'histoire pays à la Dessalines dans Pétion mais si m'ta veut dans 40 dernières années ça yo le m'a gardé chiffre mais pas que jamais ouais pendant 4 ans une après l'autre que l'économie est négatif. Donc ça c'est principal indicateur pour mesurer ça relé une performance qui est négative de l'économie. Et chaque fois dit croissance économie est négative, il veut dit tout par interprétation, pas une richesse qui créé, pas un emploi qui créé, investissement a baissé, mais aussi condition la vie monde détériorée. Et c'est ça qui est plus important pour moi en termes de compréhension de situation ça. OK. Maintenant, ça arrive c'est parce que nous pas produire richesse mais nous on garde on rentre dans secteur par secteur pour nous capable gagner une meilleure compréhension par rapport avec et résultat ça. On nous garde par exemple et secteur agricole là et comment ça y est et dans moment on a parlé là. Chiffre officiel que IHS a publié et très récemment, il parlait de moins 5,6% de performance du secteur agricole. Donc, ça veut dire encore une fois son chiffre qui est négatif. Et là-dedans, il y a plusieurs raisons. Et ça nous les campagnes de printemps que le ministère a fait pour capable booster l'agriculture, il a raté. En même temps, il parlait de circuit approvisionnement qui bloqué. Donc, moun pa ka achete, moun pa ka vendre, circuler produits agricoles dans le pays a compliqué. Et en même temps, tout, les défis structurels sont là. Et ça ne pas oublier tout. Et pas gagner investissement important qui fait dans l'économie, dans le secteur ça, entre temps. Parce que ou pas gagner croissance dans le secteur, ça va gagner investissement. Donc, est-ce que bon monde qui a dit nous pendant un an ça qui s'est passé là, qui investissement majeur que t'es fait dans la question agriculture dans le pays? Personne. Est-ce que bon système d'irrigation qui met en place? Est-ce que t'es bon gros programme crédit que t'es bail paysan? Est-ce que gain effort que t'es fait pour capable permettre que n'a dit circulation produit monde qui a produit dans grand dans qui a produit dans nip dans sud dans nord-est dans nord-ouest, est-ce que t'es permettre que passer avec produit ça là nous connaît tout problème qui t'es gain sur le plan de la sécurité notamment en termes de blocage des routes par les gangs armés. Donc ça c'est au secteur agricole et n'a rappelé et Sénat c'est une refois qu'on agriculture qui bail résultat négatif ça sans que pas gain cyclone majeur. Donc ça dit que pas aucun désastre naturel majeur passe en 2022 parce que normalement pour ta bon année agriculture perdu comme ça c'est année comme si dégadou gain cyclone Matthew ou un bagage qui arrivé mais là c'est juste ça me rappelle c'est cyclone pas nous cyclone politique cyclone insécurité cyclone mauvaise gouvernance qui bat ou son gain là sur le plan d'agriculture. Donc, et c'est tout ce problème ça qui fait qu'on gagne
manque disponibilité produits agricoles sur marché là et tout ça fait pression sur les produits agricoles que n'a pas acheté. Maintenant, il y a deux autres secteurs encore à part de à primaire qui dominé par l'agriculture, ou bien secteur tertiaire. Tertiaire là, c'est les services. Et là dans lui, on peut prendre quatre branches pour que nous avons une idée. Donc secteur tertiaire là tout est négatif, il moins 0.3%. Là dans le moyen commerce de gros et de détail, encore une fois commerce dans pays a qui pratiquement c'est un secteur qui généralement qu'on performe même les pagain même les autres bagages là ont un problème. Commerce était moins 5.6 même avec agriculture, restaurant et hôtel moins 3.4%, peut-être c'est le pire que ça, soit regarder performance hôtel et restaurant dans pays a tellement gain qui ferme, tellement gain qui pas qu'à ouvrir nombre de jours que qu'on habitué ouvrir, qui obligé révoquer employé. Et troisième élément dans le secteur tertiaire là que m'était qu'à mentionner, c'est télécommunication et banque qui ont même gagné performance positive. Donc télécommunication gagne 2.4% et banque 5.1%. Maintenant m'a espéré qu'on ban moi un petit castan dans après l'en regarde le secteur financier pour me capable expliquer performance banque qui c'est un rare secteur chaque année qui toujours une croissance positive et m'bral ba chiffre tout à l'heure très élevé pendant que l'économie de manière générale ne peut pas. OK. Maintenant économie avant on l'autre question et c'est là secteur secondaire m'pa oublier qui lui-même domine par question manufacture donc question parc industriel. Oui, c'est là m'pa aller. C'est ça, son secteur qui croît. Donc et chiffre là il pas négatif mais il pas trop positif que ça, seulement 0.4%. Et là-dedans, j'aime d'abdi là, et yon n'a pas qui porte les manufactures, ça qu'a fait un pack industriel, yon, n'importe j'en saye, yon continue à produire, et nous, chiffre 3.1% de croissance positive. Donc, mais parallèlement, secteur construction, qui sont secteurs, m'da dit, qui très porteur dans n'importe pays qui a développé, et je dis à en Haïti, situation fait que c'est moins 7% que secteur construction qui baille pendant l'année 2022. OK. Maintenant là nous garder tableau là et son tableau qui sombre et dirait mille l'économie a pas marché comme ça et ça c'est pas ça sont constantes liées tout dans histoire pays là mais mon yo ça qui permet de respirer c'est transfert sans contrepartie transfert direct petit comme petit chocho que mon yo oui transfert diaspora comment ça t'est pas dernière c'est bien. Transfert diaspora yo yo baissé de 5.5% année ça. Donc année dernière n'ta parlé de 4 milliards. Donc faut que moun yo konnen nouveau chiffre la konnen pour 2022, c'est 3.64 milliards de dollars américains transfert diaspora sur année. Et gagne deux explications majeures que BRH bay dans une note qui sorti ça gagne peut-être moins d'un mois. D'abord il dit que inflation aux États-Unis fait que moun yo gagne moins de revenus et nous connaissons inflation aux États-Unis vraiment depuis un an et demi, il ba moun yo pile problème. Fait que il y a moins scope qui rete les moun yo sont acheté. Donc ça c'est première explication que BRH bay. Deuxième explication que BRH bay dans comment transfert l'argent au faire descendre, c'est parce que gen en pile bénéficiaires qui traversent frontières qu'à l'habiter Saint-Domingue. Donc en pile moun qui gen famille, cousin, cousine permettent que vous fait passeport, mettre visa à Saint-Domingue. Donc transfert à Saint-Domingue, il pas venir à Haïti parce que bénéficiaire a changé localisation. Donc ça c'est deux raisons que vous bay sur question transfert qui expliquait que transfert a baissé de 5.5%. Donc désormais c'est 3.64 milliards de dollars américains transfert diaspora dernier chiffre 2022 que BRH publié dans rapport qui sorti et récemment. OK. Maintenant avant de tomber dans l'autre question, m'pa vle oublier inflation son gros morceau parce que ça mon dieu sorti dans poche au Sénat. Ça veut dire que là on va l'acheter dans market, on va l'acheter dans marché, on va l'acheter tout ça, on va acheter transport. Tout dépenses que y a fait qui gagne rapport avec Vio et ça nous atteint un chiffre que nous gagne longtemps que nous pas ouais inflation septembre que nous avons considéré comme dernier mois année fiscale là c'est 38.7% depuis moi-même moi économiste majeur mon chiffre comme ça dit m'a parlé bagarre comme ça et dernière fois me pensais que nous était dans zone ça et est-ce que c'est pas zone 2001-2002 les crises mouvement et dans mouvement et compte Aristide te prend en dimension, nous t'es dans zone ça. Donc ça veut dire que nous avons à peu près 20 ans, nous pas jamais vivre une inflation qui aussi élevée. Et le regard des produits alimentaires, il est plus haut que l'inflation générale là. Donc inflation sur produits alimentaires, yo produits à manger yo, c'est 44.3% qui est extrêmement grave. Et le vaut et le produit que n'importe, inflation plus grave toujours. Donc inflation sur produits à saute l'autre bord, il 50%.
inflation sur produit qui fait en Haïti 30%. Et me toujours mentionner ça pour me rappeler nous que au final produit était ca moins cher si nous produit justement parce que inflation importée a il déjà sorti dans pays tant qu'aux États-Unis qui grand pile inflation, il déjà gain dollar cap fait que prix produit a vinn plus cher en goud. Donc ou pas grand pile intérêt justement l'organ économique qui dépend presque à 70% de produits importés, laisse ça ou porter inflation sur l'autre bois, mettez sous taux de change là, mettez sous prix gaz tout qui monte pour transporter produits qui vient bail en pile problème. Donc tout ça c'est pour être capable et faire nous comprendre et situation et au niveau de l'inflation. Économie en... plusieurs autres. Économie pas produit et secteur agricole là li en baisse et faut que moun yo manje et certainement et 2000 importation yo augmenté année à l'istab et comment ça y est? Très bien. Importation yo augmenté de 6.3% parce que tant qu'on pas produit jwa di là faut que moun yo consommer, faut que manger, faut acheter ciment pour faire caille. Donc importation augmenté de 6.3%. Et particulièrement c'est parce que prix gaz monté. Donc les prix gaz monté à l'étranger pendant année, donc facture gaz la monté. Donc c'est un gros morceau qui fait que importation pays a augmenté. Mais exportation a augmenté tout. Encore une fois, exportation Haïti domine principalement par ça qu'a fait dans le parc industriel. À pratiquement 93% ça que nous exportons à l'étranger, c'est bagaille a fait dans Codevi, Sonapi, Caracol, c'est au même qui exportation Haïti à plus de 90%. Donc comme moi t'ai dit tout à l'heure que secteur ça a été continué à performer positivement, donc ça veut faire que exportation tout augmenter de 15%. Mais ça va empêcher que déficit commercial pays a, ça veut dire que différence entre exportation et importation, il toujours été très négatif et très important au-dessus de 3.3 milliards de dollars américains sur l'année. Donc ça a eu très important pour que nous comprenions que jusqu'à présent élément ça a eu yo tout participé justement dans fait que ou gagnent toute instabilité économique ça là où on pays dépendant pile de importation étrangère de importation produits à l'étranger et aussi et nous souhaite expliquer que transfert diaspora descend. Donc tout ça on mettait pression sur goud là qui vient fait que juste pardon sur dollar qui vient fait que dollar non seulement vient plus cher que jamais mais aussi vient plus rare également pour que monde qui besoin joindre n'est plus capable joindre. Nous pas oublier secteur financier, nous va retourner sur lui tout à l'heure parce que me supposer que on remarque vous voulez faire sur lui. Mais on va poser une question avec et de manière très naïve et dire Emile et ou dit que secteur sous-traitance là en croissance, nous fait plus exportation, ça veut dire que gain plus devises qui rentrent dans pays là. Même j'ai tout si gain importation, me supposer que la douane libre faire plus cob la taxe mounio du point de vue fiscal. Comment la situation, Edzerimel? Très bien. Maintenant, sur le plan fiscal, que nous relions en général dans le secteur finance publique, dans l'économie, hein, et moi, je vais parler des chiffres, c'est quand même ça fait peur. Comment comprendre une économie Sénat et 27 700 km² et avec 12 millions d'habitants, parce que le chiffre récent de WSO CDHS, c'est 11.9, nous avons 12. Nous collectons uniquement en termes de recettes de l'État 110 milliards de gouttes. Lorsque mettez le dollar américain, nous avons tout dans la rue, l'Ibalbo est quelque chose comme 800-900 millions de dollars. Donc, ça veut dire qui ça? D'abord, tout le monde l'attendait bien. Économie Haïti, encore recettes de l'État en Haïti, pas arrivé à 1 milliard de dollars sont allés. Donc, d'abord, nous avons des chiffres ça pour être dans la tête. Non? Donc, recettes de l'État Haïti, que ce soit dans la douane, dans la DGI, pas arrivé yon milliard dollars sur yon année. Et chiffre ça, li vle di en pile bagay. Mais li vle di tout, parallèlement, que déficit budgétaire là continue à augmenter. Parce que pendant que m'di l'État pas collecté assez l'argent, mais il pense yon pi important. M'so di recette l'État 110 milliards de goud, dépense l'État sur même année 165 milliards de goud. Donc différence là, 55 milliards de goud de déficit budgétaire. Maintenant, le moins dit l'État fait 110 milliards de gouttes de recettes, alors que le charge est bagaille pour régler. Donc, ça veut dire que il y a l'autre ressource que l'il collecte, pas collecté, non, que l'il gagne à travers qui ça? BRH, que nous tout le monde connaît qui c'est, n'a dit c'est bagaille qui a porté l'État depuis quelques années. BRH contribue à hauteur de 49 milliards de gouttes dans le budget à ça. Donc, si vous regardez 49 milliards de gouttes avec 110 milliards de gouttes de recettes, c'est comme si m'a dit
l'argent que BRH a bail l'État pour l'aider dans le budget, presque égal moitié l'argent que l'État collecte lui-même dans le DGI avec la douane. Donc, son l'État, en bon français, nous avons faillite financière de l'État. Parce que nous n'avons pas arrivé à collecter et assez l'argent, et ça qui collecte dans le recette l'État représente à peu près 37% de ressources que l'État te manye pendant l'année. Donc, vous gagnez 62% de ressources que l'État mobilise pendant l'année qui pas de sortie dans l'argent par que le collecte. Donc, son l'État en faillite totalement. Mais le Premier ministre a annoncé qu'il a mis fin à la subvention, mais il a réduit sur quelques produits pétroliers. Et il a dit que ça va lui permettre que yo économiser plus de cobre, yo fait moins de subventions, moins de financement et monétaire. Mesure ça, il n'est pas efficace. Donc, écoute, et chiffre prouvé, parce que entre ça, le Premier ministre dit le vrai fait avec réalité terrien, c'est deux bases différentes. Donc, maintenant, chiffre devant nous là. Donc, ou gagnez et côté que, si j'aime tout dit à l'heure, c'est BRH, c'est bon du trésor à l'île même, son lot, les outils de financement que utiliser et Gede Mountakou et ONA, Takou BNC, banque privée autour. Ils contribuaient un peu tout, et aussi à ça nous avons les bailleurs de fonds tout qui contribuaient, et puis tout ça ensemble pour capable faire l'État ou les faire l'État fonctionner. Donc au final, on se demande qui j'en pourrait faire investissement les que recette l'État rivé moins que 1 milliard de dollars américains. Donc ça veut dire que comme ça yo Sénat, c'est à peine comme pour l'État payer Ndadi et Billy. Et même pas même sûr que le suffit pour le payer billet. Donc au final, c'est pour une surprise là où que pas gain route qu'a fait, pas gain pont qu'a fait, pas gain système d'irrigation qu'a mettre en place, pas gain l'argent qu'a bailler pour financer activité dans l'économie. Donc non seulement gain gros corruption qu'a fait, par exemple vous parlez de douane, ou relé blier que vous faites ce disa matin dans nouvelle là, directeur général là que États-Unis dit sont des cas de corruption considérable ancien directeur. Donc moi même dit ça plusieurs fois déjà. On pays importation a augmenté là dans chaque fois mon pas ou cette douanière augmenté là dedans alors que qui ça qui recette là c'est taxe importation donc importation a augmenté chaque fois pendant que recette douane pas jamais suffisant pour qui ça parce que mon a fourré main ou là-dedans nèg qui dans secteur privé qui dans contrebande là pas payé nèg qui dans fonction publique là sorti dans inspecteur douanier directeur tout mon a fourré main nèg qui ministre nèg qui directeur sénateur ami et cetera. Donc et c'est ça qu'on gagne comme économie aujourd'hui. Et c'est pas un hasard que l'économie a salié. C'est qualité gouvernance qu'on gagne, qualité des autres qu'a fait, mais aussi ndadi et incapacité, mais aussi manque de volonté pour nous gagner pour mettre l'ordre dans différents aspects de l'économie, c'est là. OK. Maintenant tourner sur le secteur financier, ou souligner que les enregistrer en performance, qui ça qui explique et performance ça exactement. Très bien. Avant maintenant ça c'est une information importante dans même bail faut t'attendre li avant de tomber dans le secteur financier c'est que nous connais BRH toujours pour injecter l'argent et mais gon injecter l'argent que nous pas au courant trop de li et m'bra le dire c'est que le fait que l'État a acheté gaz en dollars c'est pas oublier non sous Petrocaribe t'es gain piaille ça veut dire acheter pile gaz et puis nous pourquoi payer mais et donc, arrivé fin en 2018, depuis le A, il faut gagner l'argent en main pour payer. Et c'est pas un goût de payer gaz là. Donc, chaque fois l'État a besoin de payer gaz, BRH mobilise dollars pour aider l'État payer facture. L'année dernière, il était dans 950 millions de dollars américains que l'État, que BRH te baille pour que l'État finance acheter gaz. L'année ça, pas bon chiffre, année à quoi fini non, mais moins pour me gagner un chiffre total. Mais tout ça a participé dans mettre réserve nette de change BRH non niveau que m'bajan moi qui aussi bas si m'a regardé dernière année réserve nette de change BRH il y a 142 millions de dollars américains et quelques années de ça en 2019 3 ans de ça décembre il était 800 millions 142 décembre 2022 qui était 800 millions en 2019 et si mal plus loin époque Préval qui était pouvoir, il était 1 milliard 600 millions de dollars américains. Donc, ça est important pour que nous gardions cette BRH sous son note là pour dire que réserve brute
beaucoup plus important. Nous pas besoin peur importation pays a toujours à couvrir très bien, mais li clair gon inquiétude pour que nous supposé gagner par rapport à niveau réserve net de change là qui très bas et graphe la disponible sur internet. Quand regardez ou sorti dans 800 en 2019 à 142 en 2022 et moins dit qui était 1.6 milliard de dollars américains et juste après tremblement de terre là époque Privalte là. Donc c'est pour dire que là c'est important pour que nous attirer attention sur l'injection à fait les gaz à payer un dollar. C'est pas un trou sans fond que le BRH gagne, c'est que ces réserves nettes là qu'a épuisé chaque jour. Nous devons inquiéter nous de ça. Bien sûr, certes, li ban nous rassurance par rapport à réserve brute, mais de toute façon, li pas fait qu'un sens les qu'on non pays côté que et institution qui est les banques centrales là, pas gon réserve qui beaucoup plus important parce que sous travers ces frontières où c'est plusieurs milliards de dollars américains de réserves nettes que Banque Centrale Dominicaine disposait, il va là pour l'autre pays dans zone là. Donc tout ça a montré que encore une fois l'État a crasé, pas rien là pour payer gaz, pas rien comme pour faire budget. Donc BRH kembe lui-même la kembe pour yo tant qu'on bail tant qu'on sorte de comment il bail encore monde malade yo bon bail pour un sérum tant qu'on sérum que lui pratiquement. Donc son sérum cap financer budget, cap financer gaz, cap faire injection pour capable gérer stabilité et tout ceci c'est parce qu'on a un dysfonctionnement. Donc, nous venons en mode pompier, nous venons en mode ranger, nous venons en mode mettre de l'eau, parce que il y a du feu dans la maison. Hein, et c'est ça pour que tout le monde comprenne, et je dis à la SNA. Jérémy, là, vous nous prenez une pause là, où tu as décrit une situation pratiquement catastrophique et dans le niveau économique pays. Mais entre temps, il y a un secteur qui est très performant, c'est le secteur financier, avec une performance de 5.1%. C'est ce chiffre à côté partagé avec nous. Et de nous comprendre mieux, et pour qui ça, le secteur ça, il gagne autant de performance au milieu de situations désastreuses, Jérémy. Très bien. Une meilleure compréhension pour que nous gagnions de ça. D'abord, nous disons secteur financier en Haïti n'a pas allé particulièrement dans le secteur bancaire. Donc, nous avons un secteur financier diversifié, mais un secteur financier bancaire pratiquement. Et avant de tomber dans le chiffre, dame que nous comprenons, et moi je dis plusieurs fois, que malheureusement, le secteur financier haïtien est au service de la finance et non pas de l'économie. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que son secteur doit garder performance par rapport à la performance économique. Lui a fait l'argent pour tête lui, mais il ne peut pas permettre que richesse créée dans le pays. Et c'est pour ça que vous êtes capable de gagner 4 années de croissance négative consécutive pendant que Bral Banchifio, actif système bancaire là, il croît de 13.6%. Dépôt, vous mettez dans le système bancaire là, dépôt, c'est-à-dire vous augmentez le dépôt qui est dans la banque de 14%. Maintenant, parallèlement, ça nous est le produit net bancaire. C'est lui-même qui est plus important pour que nous notions comme indicateur. Qui ça produit net bancaire là? C'est revenu bancaire. PNB, le produit net bancaire. Il a augmenté de 18% sur cette année passée, arrivé à année ça. Et parallèlement, l'on a regardé, ça nourrit les ratios, pourcentage épargne qui est utilisé pour faire crédit, il y aurait les ratios prêts bruts sous dépôt total, arrivé dans 31%. Ça veut dire que c'est seulement 31% dans l'argent que nous gagnons dans la banque comme dépôt qui est utilisé pour ban nous crédit encore. Ça veut dire que 69% dans l'argent que nous gagnons dans dépôt banque pas utilisé pour faire crédit. Maintenant, gros parti effectivement qui allait dans réserve obligatoire, mais ça prouvait que justement que revenu banque pas vraiment lié avec l'économie. Parce que s'il était lié avec l'économie, l'économie pas tap marché. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de marché. Mais qui ça lié finalement? En fait, revenu bancaire plus lié avec activité qui n'est pas nécessairement fondamentale à la mission. Qui ça y est? C'est 20 dollars. Et deuxièmement, c'est d'acheter bon BRH. Revenu bancaire, encore une fois, dépend à plus de 50% de activité de change et deuxièmement de achat de bon BRH. Donc, là, nous gagnons un chiffre 26,4 milliards de gouttes de produits nets, ça les revenus que fait soi, mais bénéfice net à lui-même 7,6 milliards de gouttes.
leur gratter ou est que c'est pas vraiment parce que tu as un pile crédit ta bail qui fait que la chance a accumulé. Moi pas gain chiffre revenu que vous fait dans change là dans rapport à devant, mais c'est vraiment plusieurs milliards de gouttes qui collectés par année à travers le système là uniquement dans taux que a pratiqué dans acheter et vendre dollars. Donc ça yo extrêmement important pour nous comprendre à savoir que gain une sorte de d'adon disparité un paradoxe entre performance de banque qui par mission t'a supposé là pour financer économie avec économie lui-même. Donc youn nous sommes bas chiffre là la, la croissance du revenu des banques c'est 18.5% que lié de année en année pendant que l'économie pour la quatrième année est négative. Encore une fois, la finance haïtienne n'est pas au service de l'économie haïtienne mais au service d'elle-même. OK. Maintenant pour yo pas bailler crédit, yo kon vini avec plusieurs argumentaires notamment un argument qui vini assez souvent c'est que son recouvrement et le fait que il y a des difficultés pour yo ta rejoindre Cobla donc yo très hésitant pour financer et pour financer pour bailler des prêts, pour bailler des crédits. Et en même temps, et dire et si sous question et crédit yo pas capable de performer, pas gagner qui empêcher que yo utilisent d'autres stratégies notamment dans change là pour produire et dire mais pour faire bénéfice c'est incapable de ça vous ça. Exactement mais en même temps ça va pas le faire nous oublier que le contexte pour que monde fait business dans pays est très difficile comme ça et avec tout risque ça garde le risque pays il est associé tout à rendre que crédit pire et moins accessible on va pas cacher ça. Mais cependant, nous devons réalité. Et même le pays a gagné une meilleure situation en termes de sécurité, il n'est pas de compte si différent de ça en termes de paradoxe qui gagne dans la performance banque avec la performance économique. Donc, nous pas qu'à mettre tout ça à la soudo insécurité avec instabilité. D'ailleurs, que nous connaissons plus le monde qui est dans le secteur privé qui est lié avec la criminalité, c'est pas nous qui avons dit ça, nous devons dire déjà. Nous tombons sur une petite vidéo que je fais avec Aïbo Post, qui a 2 ans que tu as expliqué des gens dans le secteur privé qui ont pollué l'environnement pour l'autre monde par une faire business là-dedans. Donc, c'est ça. Ça va surprendre moins l'entente des sanctions à prendre sur des gens. C'est parce que ou y a une équipe de monde, encore une fois, ce n'est pas tout le monde, il y a des gens effectivement qui ne peuvent pas faire business sous base innovation avec compétitivité, compétition, mais qui veulent faire business sous deux bagages. Qui a rapport que je vais gagner avec mon gars du GPIA et qui a rapport que je avec mon qui gagne. Donc, c'est ça. Pour moi, son mode de business que nous avons pratiqué depuis quelques temps et qui mettait dans une situation qu'on est aujourd'hui là, côté richesse pas créée, richesse pas partagée, mais nous avons un pays perdant, côté que personne pas qu'à sortir de cette là-dedans, j'ai que le compliqué. Maintenant, comment sortir de cette situation, ces dernières questions, Edermil? Puisque là, vous évoquez un tableau qui est assez sombre et dans le pays. Très bien. Maintenant, avant de répondre à une question, pas oublier, non, lors d'une situation économique, insécurité comme ça et Sénat, les vins bon de l'autre conséquence et on l'a d'ailleurs c'est que en pile cadre d'un pays a quitté c'est pas mais cap d'où ça juste garder des générations monde qui était l'école avant compter qui quantité qui ici quantité qui l'autre bord ou après qui quantité qui parti pendant les 3 dernières années particulièrement donc on a une perte de massive de cerveau mais on a une perte de la main d'œuvre aussi c'est pas seulement cerveau monde qui fait gros classe calé en pile monde aller l'autre bord à tout qui c'est main d'œuvre y aller c'est domaine par exemple mais aussi on a une perte massive de capitaux ça veut dire monde qui te gagne business ici qui ferme qu'à l'ouvert l'autre côté donc c'est désinvestissement c'est-à-dire que l'économie a perdu et en monde en cerveau et aussi en capital donc le par exemple n'a pas parlé de perspective nous qu'on est principal problème dans aujourd'hui à la c'est insécurité donc on est c'est instabilité c'est mais aussi de une équipe de monde dans l'économie que nous toujours parlé de ça qui au même et à continuer kembe yon économie en otage dans un modèle de monopole oligopole et qui ferme possibilité pour que richesse crée. Donc l'organ ça c'est pas yon bouton bral pesé pour que les vignes marchent. Cependant, ou gen signal ko ka bay pour ka démarrer. Le signal yo c'est d'abord au niveau de la sécurité. Mais écoute, est-ce que vous pensez que gouvernement ça là qui pral gagner 1 an et demi là est-ce qu'on peut gagner vraiment velléité et vraiment n'a dit volonté pour capable combattre insécurité nous pas ouais ça au contraire ça fait affaire lui parce que l'état l'a prêté pour tout temps personne pas capable de faire élection parce que là il a peut-être 10 ans on passe à parler
Donc ça veut dire que insécurité a faut ta gérer parce que faut gon cadre pour que moun ka faire business parce que économie c'est d'abord ça, c'est est-ce que il y a possibilité pour moun faire business? Est-ce que y a possibilité pour consommation fait? Est-ce que y a possibilité pour transformation fait? Est-ce que y a possibilité pour investissement fait? Est-ce que y a possibilité pour que transport marchandises avec moun fait? Est-ce qu'il y a possibilité pour que moun vienne investir sauté à l'étranger? Et c'est ça la question. Hein. Donc, si on pas qu'à résoudre le problème de sécurité, il va même nécessaire pour nous dire banque ba moun gratis. Ouais, vous t'aimez? Il va même nécessaire pour dire BRH pour faire quoi que ce soit. Donc, d'abord, c'est ça. Mais deuxièmement, c'est l'infrastructure de base qui est fondamentale. Le fondamental. Mais troisièmement, c'est la lutte contre la corruption. Donc, si on toujours des contrebandiers, des nègres qui là, qui ont un contrôle droit, qui ont contrôle port, pour que ou pas capable de faire un business qui fait. Pour qu'on capable gagner n'importe monde gagne accès à service n'importe monde gagne accès d'dit à différents et bagages qui gagne l'état ou pas qu'à faire économie. Donc d'abord c'est au niveau de la sécurité, mais deuxièmement c'est pour capable d'dit et garantir une stabilité politique. Le gouvernement ça pas capable faire, ce gouvernement contesté, nous connaît qui conditions monter de facto, il pas gagne mandat, il a gagne contrôle territoire. Donc faut qu'on arrive dans gouvernance d'adi légitime, faut élection ta faite, faut sécurité ta établie et à ce moment-là, pour capable commencer à rentrer dans ça qui est important yo, infrastructure, crédit pour que monde capable sentir en confiance avec économie hein, mais surtout la lutte contre la corruption. Mais deuxièmement, mais monde ça qui quitte pays a qui c'est monde qui produit yo, c'est pas demain matin ou nèg pesant bouton à tourner, monde qui Canada, qui États-Unis, qui Saint-Domingue là, il pas nèg tant pays a pas de kidnapping pendant un mois et puis à retourner encore. Donc, on prend pour un temps aussi. Et ça, on a besoin pour faire l'économie marché. Les cadres, la main-d'œuvre qualifiée, qui est fondamentale, je dis à là, pour que nous sommes capables de parler de l'économie. Donc, maintenant, à part de ça, gaz qui n'a pas gagné pendant un an, ça a là, tout l'écrasé l'économie. Donc, si on n'a pas garanti que le gaz disponible de manière régulière pour que le monde joigne, de manière non seulement régulière, mais abordable pour que le monde capable de supporter. Donc, automatiquement, on n'a pas parlé d'économie. Donc, c'est tout défi, ça, encore une fois, pour aborder. Mais tout ça, il dépend d'une gouvernance politique que nous parlons là, je dis, avec ça que nous avons gardé dans la primature, comme premier ministre de facto, et aussi tout autre ministre qui est dans le gouvernement, qui, encore une fois, n'a pas inspiré confiance et n'a pas prouvé clairement que nous sommes capables de mener nous dans la stabilité économique et faire l'économie marcher tout bon, oui, j'en suppose. Et disais, mille merci un peu, lui, allez, on souffle là, il va pour demain. Il t'a pour demain malheureusement et parallèlement et sans pas oublier l'organe ça yo et moun qui dans insécurité alimentaire augmenté donc chiffre l'ONU est très proche de 5 millions de moun dans pays qui pas ka manger et il y a des moun qui pensent que chiffre là très conservateur il capable plus que ça donc conséquence là et violence continue à saccager population hein. Jodi a la pour marchand traverser pour aller dans sud faut le payer chaque sac orange 25 goud 50 goud pour que bandi capable permettre que le passer. On est pour un magasin, il faut pas vendre à l'argent pour ouvrir la porte. Donc, c'est dans ça que nous y aujourd'hui à là, comme situation et Sénat. Donc, encore une fois, on est pris en otage par, on a dit, trois groupes monde, il y a des groupes criminels dans le secteur privé, eux-mêmes qui a participé dans renforcer ça, ou des groupes gangs, eux-mêmes qui sont des exécutants, et ou des monde dans l'État, eux-mêmes qui soit par complicité, par manque de volonté, et activement, tout certains là d'ailleurs, parce que c'est pas même capable de prendre nous, il y a des ministres qui ont kidnapping, il y a des ministres là d'ailleurs qui ont activité criminelle, soit ancien, soit nouveau, soit là toujours. Donc, ça veut dire que quelque part, on est mal barré dans ce pays, les populations ont souffri, et encore une fois, on n'est pas capable de résoudre le problème économique sans que sur le plan politique, sans que sur le plan sécuritaire, pas gagner aller mieux, et ça, il est fondamental, et il faut passer par là. Merci beaucoup, Edzer Emile, d'être souhaité disponible pour nous matin. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, de chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Pour aller faire des bases, c'est toujours même Yannick, même voix.